Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique, dans Washington. Il y a un plaisir pour entrer à la CAO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne. D'ailleurs, c'est la première sortie nous pour ce maintenant. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. No place in political violence for political violence in America. None. Zero. Never. Actualité aux États-Unis, président Joe Biden dit pas de place dans le pays pour violence politique après ça qui semblait avec une tentative assassinat contre ancien président Donald Trump, suspect là déjà passé devant un juge en Floride. Actualité électorale aux États-Unis, immigration était un gros dossier dans la campagne électorale là, même genre dans le dernier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Venezuela accusé Espagne de ce que Libye mercenaires dans l'opération avortée qui était visée jeter président Nicolas Maduro. Et puis dans le pays d'Haïti, 24 personnes mourir et une quarantaine d'autres blessés graves dans l'explosion d'un camion citerne dans Miraguane. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Merci de ce qu'on choisit VOA Creole pour informer. Déjà, nous souhaitons passer une bonne semaine de travail. Actualité ici aux États-Unis, c'est en pile réaction qui sortit bon côté démocrate, tant que bon côté républicain, après ça qui semblait avec une tentative d'assassinat sous ancien président Donald Trump, suspect là déjà passé devant un juge et déjà gagné sous dôle accusation fédérale. Officiel, nous parlons jeune Sandra Lemaire. Younèg autorité au suspect dans tentative assassinat ancien président Donald Trump comparaît devant tribunal lundi côté au accusé li pour crime fédéral qui gain pouwè avec possession d'armes. Monsieur comparaît devant tribunal dans moment course présidentielle là, rivé dans dernier semaine yo et puis après un premier tentative assassinat comme ça. Ryan Wesley Routh, 58 ans, a fait face à accusation possession d'arme à feu, malgré li déjà été condamné pour crime d'est-ce que li était possédé une arme à feu côté li était effacé numéro série A. Li possible pour la justice ajouter l'autre chef accusation grave. Dans moment enquête là a continué. Avocat accusation yo a demandé un grand jury accusé monsieur. Rouse te comparaît devant tribunal pendant un petit temps tout coûte dans West Palm Beach côté il te répond question préliminaire par rapport à statut travail li ak l'agent li touché. Monsieur te menotté et puis gagne un uniforme prisonnier bleu sous li pendant li te dans tribunal là. Li te souri pendant li tap parler ak avocat l'état qui tap défendre et puis réviser document avant premier paraître li. Avocat de refuser faire commentaire après audition. Journaliste est filmé en camionnette qui a transporté Routh sorti dans le tribunal là. Président Joe Biden a réagi sur une tentative d'assassinat dimanche. Il dit grâce à Dieu, président, ok, nous recevons un rapport complet. Nous en bas à ce soir. Moi, t'as remé sous lien service là besoin plus aide et moi quoi Congrès a doué répondre besoin yo. Au fait, yo besoin plus passer l'autre service yo. Donc c'est ça nous quoi discuter. Tentative assassinat déroulé dimanche après-midi. Agent service secret qui t'a surveillé pendant Trump t'a joué golf, t'es remarqué pointe au fusil style mitraillette AK pointé dans mitan orage qui sous côté terrain. Yo agent t'est tiré et puis Ralph t'est lagué zamnan et puis couru qui t'est scène dans yo pageo. Il quitté zamnan à terre ensemble avec deux sacs à dos, une loupe qui permet li voir de près et puis une caméra GoPro d'après sa autorité yo dit. Autorité yo t'arrêté Ralph Pita dans un arrondissement qui tout près. 13 juillet, yon balle t'est passé bon côté oreille Trump pendant un meeting politique dans l'État Pennsylvanie. Monsieur t'est blessé. 8 jours plus tard, président démocrate là, Joe Biden t'est bail course présidentielle la vague et puis l'ouvre porte pour vice-président li, Kamala Harris, remplacer comme candidat présidentiel parti démocrate là. Trump tournait Floride week-end ça après un viré rond sous côte ouest États-Unis côté il a participé dans meeting politique dans Las Vegas et puis un marathon dans Utah. Campagne li pas publié plan Trump te gagné pour journée dimanche là. C'est souvent monsieur qu'on joue golf dans matin avant là le prend manger midi dans club Lia qui c'est une parmi trois que li possédé dans État Floride. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington.
Et dans l'autre déclaration, dans l'autre réaction, gain président Joe Biden, dans une conférence de presse que le Biden a eu une université dans Philadelphie, il dit que pas gain place aux États-Unis pour violence politique. Il dit c'est zéro, zéro, pas gain place pour causer comme ça. Gain l'autre réaction encore qui sortit par rapport à ça qui semblait, tant que Sandra Sodil a eu une tentative assassinat sous ancien président Donald Trump. N'a pas toujours dans l'actualité ici aux États-Unis pour nous parler de élection. Il y a deux candidats dans le présidentiel pour novembre Cap Vinila. Eh ben, il y a pas de clair dans le dernier débat sous question de coût économique, tarifs douaniers et à question Ukraine. Et dans le moment, il y a deux mois qui étaient pour élection. Cependant, deux candidats ont une position différente sous question immigration. Jean-Robert Philippe. Immigration, c'était une grosse question pendant le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Kamala Harris. Pendant le vice-président Kamala Harris, pas répondu aux questions sur l'augmentation de la quantité d'immigrants sur les frontières États-Unis partagées avec le Mexique. Ancien président Donald Trump n'a pas suspendu d'identifier immigrants à crime. Millions of people let in. Ancien président parti républicain a déclaré plusieurs millions d'immigrants rentrés dans le pays. Il dit que la quantité de crimes diminue de l'autre côté sur la planète, excepté aux États-Unis. Recherche a montré que les immigrants ont moins de tendance pour commettre des crimes comparé avec les Américains qui fait dans le pays. Mais pendant un rassemblement populaire, Trump Kimberly dit sur l'immigration l'a annoncé, la Kimberly promesse pour déporter les immigrants illégaux s'ils jouent un autre mandat pour diriger les États-Unis. Si je remporte l'élection, depuis le 1er juin, je commence à pigo déportation en masse qui jamais fait aux États-Unis. Expert immigration, Yotako David Daisegard, Kalik, qui est directeur initiative recherche sur immigration, pose une série de questions pour demander. What exactly are we talking about here? Qui ça exactement n'a pas? Est-ce que police avec agent immigration doit présenter la carte tout le monde pour demander ouais documents? Les modérateurs a déposé à Harris question sur augmentation de la quantité d'immigrants qui traversent les frontières sans document légal sous l'administration Biden avant la quantité a été diminuée dans le mois qui passe. L'Iran Trump responsable. Les lui fait remarquer, les républicains dans le Congrès ont été éliminés une proposition de loi, deux partis ont été supportés. Bandine, Congrès américain et là-dedans, le membre qui est plus conservateur dans le Sénat américain, t'es préparé une proposition de loi sur sécurité que moi j'ai supporté. Proposition de loi ça t'a employé 1500 gardes frontaliers. Expert souligne pas de réforme réelle sur immigration si pas de action dans le Congrès. David Dissegard, Kalik ajouté, ni candidat parti républicain, ni candidat parti démocrate là, aucun n'a eu pas parlé de l'importance Congrès. Présidence là fait une grosse différence. Il y a un pile bagaille un président capable de faire, mais tout, un président qui a une limite dans ça qu'il est capable de faire. Pendant un meeting populaire dans Arizona, Harris rappelait Foula que, comme président, l'absence d'une proposition de loi sur l'immigration. Nous reconnaître le système immigration noir pas marché bien et nous connaissons ça nous devons faire pour nous ranger. Réforme globale qui vient la donner sécurité frontière avec possibilité pour un citoyen américain. Il n'est pas semblé à Harris et Trump à rencontrer dans un autre débat. Électeur n'est pas obligé de suivre le plan immigration avec un pile attention dans le moment candidat à continuer de suivre la campagne électorale. Là. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc pratiquement un jour ap mache, date là c'est 5 novembre 2024 pour élection présidentielle qui pourrait mettre face pour face Kamala Harris, vice-présidente et démocrate là avec ancien président Donald Trump. Nous parler dans pays Venezuela côté ministre intérieur Diosdado Cabello, il est accusé espagne comme quoi il planifiait pour le bail mercenaires pour une opération contre gouvernement, opération que d'après yo États-Unis a dirigé dans pays Venezuela. Gentil Augustin Junior, quel détail. Sabe el CNI que nosotros tenemos más información. Dans une interview avec chaîne télévision Télésur, ministre Diosdado Cabello dit qu'il a arrêté des personnes qu'il a identifié comme José María Basoja et Andrés Martínez Adasme qui fait partie du Centre d'enseignement national Espagne, CNI. Ministre vénézuélien
accusé Espagne pour implication dans recrutement quelques agents français qui ont mission pour prendre contrôle aéroport international Mahiqueixia. Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles. Ça pas gain longtemps, José María Basora Vardovinos et Andrés Martínez Adasme, des citoyens espagnols, te joignent arrestation yo dans Puerto Ayacucho, tout près aéroport. Li te continue pour dire au commencement, les autorités dans Venezuela ont arrêté Mounsayo, yo pas dit rien. Mais après ça, yo admet yo fait partie agence renseignement espagnol là. Logiquement, Espagne pral démenti li. Hier dimanche 15 septembre là, yon sous ministère affaires étrangères espagnol dit que citoyen espagnol que yo arrêté yo pas de connexion avec service secret espagnol yo et que Espagne pas participé dans aucun plan pour déstabiliser pays Amérique du Sud là. Ministre intérieur Venezuela a dit samedi a que deux espagnols, trois citoyens américains ak yon citoyen pays tchèque te joignent arrestation dans Venezuela parce que autorité yo suspect yo gen connexion ak yon soi-disant complot pour chavirer gouvernement président Nicolas Maduro. Ministre lundi, nous arrêté tout David Estrella, yon citoyen américain. Estrella también está detenido. Citoyen espagnol yo te joignent arrestation yo dans Puerto Ayacucho. Média espagnol yo te répété parole ministre Cabello te dit dans une conférence pour la presse. Ministre la te ajouté que autorité yo saisi tout environ 400 fusils qui sorti dans pays États-Unis. Arrestation yo te fait après gouvernement vénézuélien te rappelé ambassade li en Espagne. Semaine ça pour consultation. Elle était convoqué ambassadeur espagnol là pour présenter dans ministère affaires étrangères. Ça qui t'a augmenté tension diplomatique après une élection présidentielle bouleversée. Caracas t'a engagé tout dans la guerre Paul Pimambouk avec États-Unis qui t'a reconnaît González Urrutia comme vainqueur élection 28 juillet. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Autorité dans Ukraine bay rapport jodi lundi a sou dernier gros attaque drone la Russie qui te visé Kiev côté au 10 ça fait 8e offensive yo contre capitale pays Ukraine. Serge François Michel. Serhiy Popko, qui est à la tête administration militaire Kiev, là, dit sous Telegram, défense anti-aérien Ukraine descend presque 12 drones sous Kiev. Mais, que pas de nouvelles sur le monde qui est victime. Dans tout pays, l'Amérique a dit jeudi lundi, il descend 53 sous 56 drones russes qui ont attaqué plusieurs régions. En plus de Kiev, défense anti-aérien Ukraine descend drone tous au Tcherkassy, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia, Zaporizhia. C'est ça, aviation militaire ukraine a dit. Attaque aérienne faite après président ukraine Volodymyr Zelensky a demandé à l'IO pour bali système ZAM avec permission pour servir à ZAM Sayo dans attaque qui vise loin, dans la Russie. Zelensky dit dimanche, dans ce cause côté lui adressé peuple à chaque soir, que si on permet de tirer loin, l'Amérique, non, t'as qu'à détruire avion russe dans base, yo. Lizzy, lui espérait tant des décisions sous question, bon côté États-Unis, la France, Allemagne, et l'Italie. L'Amérique, non, lancé dernier attaque, jeudi lundi, sous région qui a rebord frontière la Russie à l'Ukraine. Vyacheslav Gladkov, qui est directeur Belgorod, dit, Ukraine fait bombardement qui rivait frapper Yonkai avec plusieurs machines et blessé 8 mounes pour pipiti. Dans Bryansk, autorité a dit défense anti-aérien russe descend 5 drones Ukraine. Nouvelle n'a pas rapporté aucune victime ni aucun dé. Merci Serge François Michel. Mauvais temps sous continent européen, gros inondation, et ben c'est comme ça que tempête Boris la cause gros inondation dans notamment ville Vienne dans pays Autriche. Dans moment l'Europe centrale orientale déjà compté et ben 15 morts parmi eux 7 dans pays Roumanie, 4 dans pays Pologne. Et Boris mauvais temps ça et ben la cause tout plusieurs milliers sinistrés et causé en pile dégâts qui difficile
pour yo évaluer et Napoléon gagne même état d'urgence que yo mettait sous pied avec mauvais temps ça côté que et ben gon équipe secouriste qui sous pied et ben pour ouais qui gens capable aider monde qui victime en bas inondation ça qui relait et ben tempête ça qui causait inondation tempête là relait Boris ou souvé ou à créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien pas déplacé. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Nous pourrons parler de l'actualité dans le pays d'Haïti. Et t'as le conseil n'a pas un spécial sous situation dans Springfield, dans l'État Ohio, côté que grand pile réaction qui continue à tomber après accusation qui tombait sur Haïtien comme quoi il a mangé canamoun, il a mangé chatmoun, il a mangé chemoun. Actualité dans le pays d'Haïti, il y a 24 moun qui mourit et il y a quarantaine l'autre blessé grave dans explosion dans un camion citerne dans Miragouane. Un reportage Steven Aristil. 4 moun mouri et 40 l'autre blessé grave dans une explosion camion citerne. Incident ça arrivé dans ville Miragouane samedi qui était 14 septembre 2024 là. Parmi 40 blessés ça yo, gen 39 grand moun ak yon ti moun, 37 jeune garçon ak 3 femmes. Gen 20 la dan yo ki boule nan 3e degré. Premier ministre Gary Conille te rendi Miragouane nan lide pou te constater situation e fè diligence médicale ak blessé yo. On sèn horrible nou sot viv la. Plusieurs dizaines de victimes blessées boulées de manière très sévère. En pile lan de te gen tan évacué pou a lokay. Malheureusement nou pa ka pran sa pipi grave yo parce que hélicoptère pa tap possible. Donc, pendant qu'on a parlé là, nous avons un groupe d'ambulance qui a essayé d'arriver le plus rapidement que possible par la route pour essayer de récupérer ça qui brûlé à plus de 80% encore. Mais nous-mêmes, nous essayons de venir avec les gens nous capables. Mais comme c'est le cas très souvent, la scène horrifique ça, nous venons nous joindre tout docteur, tout infirmière, tout le monde qui a une compétence médicale mobilisé dans l'hôpital là pour aider les victimes. Même nous promettons, nous allons faire tout ça capable pour assurer que l'hôpital a du matériel. Nous allons faire tout ça capable pour l'ambulance qui arrive l'autre bois pour récupérer les gens qui a besoin de soins très intensifs que probablement l'hôpital l'autre bois pas capable. Et entre temps, nous allons voir le ministre de la Santé publique là pour nous faire rejoindre le plus rapidement que possible toute qualité médicaments avec bah, besoin pour rejoindre soins. L'institution Médecins Sans Frontières, qui est une ONG, fait qu'on est recevoir 6 personnes qui étaient boulées graves, qui étaient venues par hélicoptère dans l'hôpital Yowa. Hier dimanche, ils ont déployé une équipe pour porter renfort à l'hôpital Sainte-Thérèse qui est dans Miragouane. Et ils ont fait qu'on est, il y a plus de 20 autres victimes qui ont reçu dans Saint-Yowa qui Kafou. Ak nan kapital peyi ya. Nap rappele pou audite vyo ak kriol yo, Desembre 2021, yon insidan parey te la koz 60 moun pedi la vi yo e plizye dizen lot te blese grav nan vilo kap. Mwen se Steven Aristil depi Port-au-Prince pou vyo ak kriol. Nous sommes toujours dans le pays d'Haïti pour nous parler de politique, pour nous parler de élection. Il y a un conseil présidentiel transition qui bat tête y a un délai qui c'est mercredi, Cap-Villa, pour le mettre campé conseil électoral provisoire. Il y a un reportage, Renan Toussaint. D'après une source dans le Conseil présidentiel transition, pour une énième fois, structure ça va être tête jusqu'à mercredi 18 septembre 2024 pour mettre campé Conseil électoral provisoire, une façon pour date 7 février 2026 là, capable respecter côté un président élu doit remplacer équipe qui l'a connu, déjà ça prévoit dans accord 3 avril 2024 là. Alors que KPT1 te doit réaliser un conseil des ministres mercredi 11 septembre 2024 passé pour te nommer membre cap constitué conseil électoral provisoire un conseil des ministres qui reporté pour une date ultérieure à cause de trois contestations sous choix certains représentants pour formation institution électorale notamment dans mi-temps secteur vaudou et secteur femme. Selon information yo, KPTA pral invité secteur qui poukou ka conclu sous choix définitif yo nan objectif pour aider yo joindre yo entente. Sous nou a souligné tout que 6 secteurs sous 9 qui déjà voué non représentant yo nan KPTA gagné jusqu'à présent qui a couteau tiré.
Conseil présidentiel transition en dit pas entendre nos mains yon ka epi manke mousou. Li dit si tentative ça pas marché à ce moment-là, y a choisi youn nan deux noms secteur qui pas nan dimension pour entendre yoa juste pour compléter institution électorale là par rapport à thème référence qui dal joine secteur concerné yo. Depuis quelques jours, en pile pression a fait sous autorité en place yo pour mettre campé conseil électoral provisoire cap gen pour mission organiser référendum qui lié à amendement constitution 29 mars 1987 amendé ya à organisation élection générale pour remettre campé institution démocratique yo en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan. Et puis dans Springfield dans état Ohio, un ben gagnant et haïtien yo bien communauté haïtienne chrétienne yo et ben était allé dans l'église dimanche qui s'est passé là, était une solidarité et côté que et ben était adorer le Seigneur, eh ben j'en ai habitué faire là avec plus solidarité pendant que yo toujours confus, yo toujours frustré par rapport à que accusation qui tombait sous deux. C'est ça nous pourrons l'aborder dans un dossier spécial immédiatement après pause là. Vous souvenez au créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien tant qu'on nous te promet li nous pral wè quelques réactions qui continuent à tomber après que eh ben gen accusation qui tombé sous haïtien yo eh ben quelques membres dans communauté haïtienne dans Savannah état Georgia eh ben parler pour exprimer frustration devant accusation qui fait comprendre que haïtien dans ville Springfield dans état Ohio y a mangé chat y a mangé chien y a mangé canard Jodle Junior Saint-Ville gen détail. Haïtien dans ville Savannah, état Georgia, pas caché frustration yo face à accusation ça. Kek nan yo qui t'ai parlé ak VOA Creole pendant weekend nan, di ki jan yo t'ai senti yo, lè ou t'ai tande paroles ça. Donc ça t'ai frappé. Même moi t'ai pas vinn gagner plus problème c'est lè vinn rendre compte c'est plus des bagages discriminatoires et qui gagne pour avec la politique aux États-Unis puisque nous dans période électorale. Donc côté que des anciens dirigeants et aspirants dirigeants utiliser ça pour capable et mener campagne et c'est nous autres haïtiens qui victimes depuis qu'on accusation qui pesait sous dos immigrants donc parti qui compte là l'a toujours les prendre donc normalement bon c'est comme ça c'est la politique mais ça pas empêché que c'était très frustrant c'était très agaçant le attendre ça yo. C'est pour une catégorie immigrants haïtiens qui vivent dans Savannah accusation au soir mais ça yo fait au paix pour une autre catégorie c'est différent. Comme c'est haïtien et tout haïtien toujours très sentimental envers haïtien par exemple sont des problèmes pas un problème à l'autre quand on dit j'en dérangé mais devait me peur tout me dit bon on va me connaître ça qui arrivé même dans travail côté nié et puis bon blanc mais pas c'est pas raciste non mais qui vient poser une question est-ce que rien mes chats me dit ou bien manger chat me dit nous rien mes chats mais pas manger chat même quand on comprend ni il font blague avec ça mais c'est nous clair que voilà quand j'en dérangé tout le monde parce que ça te met une triste. Parce que je suis haïtien, je entendu haïtien manger chat, manger canard. Ça a été frustré dans l'arrière parce que ma faute à plusieurs autres nations. Quand j'en paix. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Savannah, État Georgia, pour VOA Creole. N'a quitté Savannah, nous parlons d'entrer dans l'État New Jersey avec Gloria Glorious Nelson, qui lui-même tout est recueilli, réaction haïtien dans zone ça. Accusation comme quoi haïtien a mangé chien à chat dans Springfield Ohio dominé actualité pendant semaine qui s'est passé hein haïtien tout côté a bay avis sous dossier hein nous rencontrer avec quelques haïtiens dans New Jersey qui ont même exprimé indignation que yo senti là yo apprendre accusation si là yo au début m'étais vraiment frustré parce que m'ta posé tête une question qui ça nous fait encore pour nous faire la une nouvelle et déjà les bien parler de Haïti c'est toujours un bagage qui négatif et puis après m'étais venu parler de ça avec un ami me venir réaliser hier yeah, 4 de cela nous était un shithole country sont basé que c'est nous n'a pas d'élection ça c'est presque même pas qu'à répéter toujours à cause de élection et j'ai autant aimé que ça a déroulé. Et dans un moment, pour que nous ayons cette team inconfortable, parce que ça crée une série de stéréotypes qui fait que nous toujours été un peuple qui marginalisé.
Normalement, ça fait nous mal parce que nous continuons à subir une série d'humiliations étant qu'haïtiens. Et il faut me dire ça sincèrement. Yo créel pendant au fin créel là et puis nous-mêmes n'a victime encore de lui. Nous quand comprendre ça pas bien que yo t'ai accusé nous déjà de monde qui portait sida. Et tout bail ça a fait nous mal étant que haïtien. Mais je ne veux dire revenir avec une autre bagarre encore côté au fait sentir que dans communauté wa au côté haïtien va vivre là. Il a mangé chat, il a mangé chien, il a mangé canard. Nous va manger chien, on c'est des bagarres, il a accusé nous c'est pas vrai. Parce que même là que nous connaissons, nous sommes haïtiens, nous avons nos propres mœurs par nous, coutumes par nous, mode de fonctionnement par nous, mais il y a des choses que nous portons par nous, sont inadmissibles. Et ça fait mal étant que haïtien, moi jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre nous, étant que monde. Bon, mais beaucoup de moi-même, ça a vraiment dérangé moi, le fait que moi c'est haïtien. Et puis ça qui est un petit genre dérangeant, c'est parce que nous-mêmes haïtiens, de ce côté, nous y est, et puis c'est comme ça que toujours. Et il a minimisé nous, n'importe ce qui passe, n'importe quoi qui est mal, il a toujours dit que c'est haïtien. Il n'y a pas de haïtien parce qu'ici, il n'y a pas de nation qui vivent ici. Et ce n'est pas seulement haïtien qui est noir. Bon. Et peut-être c'est parce que les gens qui ont payé nous, nous n'avons pas de dirigeants, nous n'avons pas de gens qui parlent pour nous, nous n'avons pas de gens qui accompagnent nous. Peut-être c'est ça qui fait que n'importe quoi qui est haïtien, n'importe quoi qui est mal, ils ont la gueule de nous-mêmes haïtiens. Oui, moi, je suis les moins apprendre ça. Certes, c'est vrai que le pays n'est pas bon, mais les noms de l'autre côté, les vies nous viennent dans le pays, et en pile étranger, témoins ça. Nous travaillons dur. Nous faisons tout à fait nos corrects, nous baillons le meilleur de nous-mêmes. Parce que les Haïtiens ont toujours dit, même, ils comptent pour qui ça a sorti, ils n'ont pas sorti pour grand messie. Et le bizarre, ça l'aide pour la population haïtienne qui vit là, en dehors d'Haïti. Et ça n'est pas belle pour moi, il fait pas pour moi. Accusation si là, pas sans conséquence sur Haïtien avec l'autre habitant qui vivent dans Springfield, Ohio. Dans la semaine passée, en ville si là, t'es en alerte, côté t'es une menace bombe. Moi, elle est glorieuse, Nelson. Pouvez-vous accueillir depuis New York? Et puis, réaction l'autre Haïtien dans Maryland pendant un gala annuel. Nous-mêmes haïtiens, ce n'est pas la première fois que la grand fardeau sur nous-mêmes. Par contre, si j'ai affaire de aide, je dis que c'est haïtien by aide. Pareil, moi, je ne vous dis, je dis que nous-mêmes haïtiens, nous mangeons chien, nous mangeons chat. Mais si vous regardez bien, là, nous venons ici, nous, en fait, font pile travail dans la communauté. Non seulement la communauté panouan, mais toute communauté en général. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas vraiment yo bagaille qui fait nous du tort. Mais par le fait que nous avons fierté haïtienne, non? Nous avons courage, même gens que nous devenons ici, nous travaillons là, nous continuons de travailler toujours. C'est politique et nous pas vraiment considérer le fait que on dit que nous mangeons chien. Nous pas manger chien, nous devons manger chat. Il y a des paroles où on dit, bah là tellement bas, on va descendre dans la journée dans le niveau côté là. C'est pas venu pour mal défendre qui ça c'est manger, qui ça c'est pas manger. D'ailleurs, tout le monde connaît, j'ai appelé ces portraits à faire de nous, c'est pas ça. Nous connaissons, nous venons ici, c'est travail, nous venons travailler. C'est la vie mignonne, nous venons chez petit nous. C'est éducation, c'est avancer, nous venons avancer. C'est pas pour nous venir faire tête. Ça qui a privé Springfield là, son débat politique que vous profitez, utilisez haïtien en tant que, yon épouvantail, yon boogeyman en anglais. Pour capable faire avancer politique, yon parti yon l'autre. Et pour moi-même, je pense que ça haïtien qui pour faire, c'est comprendre que la caille c'est la caille. Pas qu'un côté capable de remplacer la caille. Même là qu'on parle la caillou ou décide ou voulez faire l'autre choix, venons l'autre côté. Mettez dans tête ou qu'on conduite qui vous mène à objectif qu'on voulait atteindre. Yon met pense ça yon vle, nous kon qui est nous yé. Et les petits qu'on a mangé chat, n'a mangé chien. Hein? Dis-moi comme ça que Haïti a une des meilleures cuisines au monde. So, achetez dans un restaurant haïtien et al commande des chats à chien pour qu'à dim soit jeune sur menu. Pour commencer. Deuxièmement, moi pense que comme haïtien, c'est pour nous camper peut-être nous. Comprenez? Moi crois que blanc gonjan, li pense li ka fè sa l vle avec nous, li ka di sa li vle parce que nous toujours quitter le fè sa l vle. Nous pas qu'à quitter au fait ça vous voulez.
Voilà, c'était quelques réactions et plusieurs Haïtiens dans l'occasion gala annuel et association haïtien et qui professionnel. Eh bien, on a salué Caleb Bier qui a fêté fête et puis nous saluer Evelyne Isidore qui t'a fêté vendredi. Moi c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir. Je connais toujours dire plaisir chaque fois que moi j'ai occasion pour nous parler, pour nous analyser et pour nous poser questions tout en même temps. Et de comprendre ça qui comme information en d'un pays. Et même à l'étranger, parce que je n'ai pas oublié, je dis, il y a pile focus qui mettait aux États-Unis, Springfield, État Ohio aux États-Unis, par rapport avec situation compatriote haïtien qui dans la ville. Ça. Nous prenons le garder ça. Réaction. Ancien président et actuel candidat pour poste président républicain élection 5 novembre États-Unis, n'a pas parlé de Donald Trump. Et puis, puisque nous connaissons tout, dans dimanche qui était 15 ans, dans zone terrain golf, Donald Trump, dans Floride, il y a un pile coup de balle qui chantait dans zone ça, et nous apprenons que Utah service secret, monsieur, t'a déjà posé la patte. Sur individu suspect ça. Mais Donald Trump, monsieur sain et sauf, monsieur Bagayan, monsieur en forme, selon service secret Donald Trump, selon ça qui dit. Donc, regardez ça, yo. Et en même temps, tout, la police nationale d'Haïti, dans le sud pays, qui présente bilan opération qui est menée, et yo vraiment arrêté. J'ai plusieurs dizaines d'individus jeune arrestation yo dans grand sud pays alors dans département sud pays d'Haïti plusieurs âmes saisies gamin dit blessé gamin dit blessé gamin dit qui prend balle qui blessé gamin dit arrêté et majorité dans individu ça qui arrêté selon porte-parole police là dans sud pays hein il fait qu'on est monsieur Sayo ça sorti dans équipe groupe gang 400 Marozo dans Croix des Bouquets dans Jeep et Taliban dans Canaran dans Vive ensemble barbecue dans Badel Mabelair dans 5 secondes Iso village de Dieu s'il a appelé dans Garavine Christ là dans Tibois vite l'homme dans Peigne Torcès ça veut dire plusieurs jeunes garçons qui ont même fait partie associé à ce criminel ça yo yo arrêté dans sud pays et je dis hein yo des quatre murailles dans département sud pays d'Haïti nous pral analyser nous pral questionner nous pral garder ça yo ensemble avec nous amis internautes nous yo. Je dis, qui ça me l'a compris? Me l'a compris que, gain selon l'observation de le monde, il y a une volonté qui a commencé à manifester la caille autorité nous yo, pour y avoir qui je, qui façon, yota capable repren contrôle situation pays bien que travail a mandé en pile travail en pile travail yeah en pile travail qui pour faire là qui pour ta permettre que ensemble problème ça y arrive résoudre en pile travail hein et jodi ça qui existait là ça qui gagne là li mande volonté réelle
li mande volonté manifeste. Li mande volonté réelle. Li mande volonté manifeste. Et si jodi, hein, chaque fois que nous gardons chaque situation, chaque réalité pays a fini la augmenter là, nous gèpoun di tèt nou que ça gè la comme situation et question ça me connaît la poser. N'a dit tèt nou, est-ce que effectivement gen volonté, est-ce que effectivement n'a jwenn ou solution avec ça qui est là comme crise, avec ça qui est là comme problème? Est-ce que n'a jwenn ou solution? Est-ce que nous avons tombé d'accord avec ça qui est là? Ok? Je dis un. Faut nous essayer de comprendre. Fon essaye analyser kade ensemble. Volonté qui gagne ka manifeste la kay force de l'ordre nou yo. Qui c'est monsieur militaire la médaille yo. Différents unités spécialisées qui engagées au dans opération qui a mené dans niveau Badelma depuis 27 d'août là en appui en support avec officiers kenyan yo et qui jodi a renforcé avec de l'autre on dit militaires et officiers de l'autre pays qui te promettent que OK qui te promettent OK OK qui te promettent que pour aider la police là, aider Haïti, aider autorité yo pour aider résoudre sa guerre comme situation, pour aider résoudre sa guerre comme problème, je dis hein, je crois que le plus que important OK. Le plus qui est important. OK. OK. Le plus qui est important pour nous garder, pour nous analyser, pour nous questionner ensemble de ça yo. Nous pas dit que gon baguette magique. Nous pas dit que gon pression magique. Non mais autorité yo, non mais force de l'audio. Pour ta dit que nous vont bon matin. Et puis pour nous dire que question insécurité à résoudre. C'est nous dit non ça. Qu'on est non menti. OK.
Si nous avons dit nous ça, qu'on est que nous t'en menti, pour nous dire un bon matin, nous pourrons lever, nous pourrons résoudre la question de sécurité pour nous finir. Si nous avons dit ça, qu'on est menti. Nous avons vraiment menti. Et je dis que chaque monde regarde et comprend ça qui est là. Et ça fait toujours dit, résoudre l'insécurité, hein? Lisser tout un package. Et nous avons dit un paquet, ça veut dire, un paquet d'éléments en dedans qui est important, faut que nous rendions compte de yo, et faut que nous permettre que des solutions et que tout secteur, tout acteur pour engager la donne. Tout secteur, tout acteur doit engager la donne. OK? Tout acteur, tout secteur doit engager la donne. Je dis, c'est vrai que nous mettons focus sur Bandi à sa patio, les ISO, Barbecue, Mano, Bébé Bougoy, tout Bandi qui fait partie, organisation criminelle vivent ensemble. OK? Mais en même temps, tout, faut que nous ne pas oublier Bandi à cravate. L'endi bandi à cravate, c'est appellation yo elé en dit deux moun qui nan secteur privé, deux moun qui nan classe politique, deux moun qui nan société civile droits humains et population civile en même temps tout, on dit ça en pile nan yo. Deux moun qui nan diaspora et sans oublier la communauté occidentale. Faut garder tout ensemble de éléments ça yo. Faut garder ensemble tout secteur ça yo. Ensemble tout regroupement ça yo. Faut garder yo. Pour nous comment qui gens pour nous engager nous dans l'autre haïtien dans aider résoudre sa guerre comme insécurité. Parce que souvent toujours dit que c'est on la police qui malade parce que trop policiers impliqués dans des bagarres que nous dit ça et grand pile exemple grand pile action et grand pile témoignage qui pouvait vraiment que des policiers qui impliqués dans de mauvaises affaires d'ailleurs Leslie Voltaire qui c'est un conseiller dans conseil présidentiel. Et de même tout, te gagné Pegadi Maisonneuve, responsable de ce levèque là, notre travail enquête SKL démené. Je te fini par joindre que 40% policiers dans mauvaise affaire, yo superwall gang, yo gè rapport avec gang, et dans ce sens, selon SKL, il t'a demandé pour faire un inventaire en dans la police, non? Retirer mauvais grenio et kembe beau grenio. Et bon côté conseiller Leslie Voltaire, nous songer, il t'a dit que par rapport avec même pourcentage 40% ça, il vraiment a rendre la police non pas capable de remplir mission efficace et professionnelle dans ses réactions la poser. Nous songer ça yo. OK. OK. Je dis hein. Je dis hein. Ça que m'leken comprendre. Je dis hein. Ça que m'leken questionner. Jodian,
ça que m'le que nous analyser jodi an, ça que m'le que nous comprendre et nous ensemble, c'est garder dans quelle dimension, c'est garder dans quel niveau pour que nous capable porter contribution par nous capable porter collaboration par nous et ensemble pour nous aider résoudre pas seulement insécurité physique là, mais résoudre tout ensemble problème que je dis hein, que pays d'Haïti a fait face et l'engagé je dis hein, et comment que la vie immigrant haïtien aux États-Unis est vraiment commencé à fragiliser, vraiment commencé à exposer face avec ancien président et Donald Trump et qui est actuel candidat à la présidence républicaine dans l'élection 7 novembre. Et l'engagé tout comment que ensemble des républicains jodi an a maré haïtien, ça montre que la vie nous vraiment exposé et encore la plus ça doit motiver nous, ça doit engager nous pour que nous parler avec autorité la canouyo, pour nous parler avec mes dirigeants nouyo, pour nous parler avec communauté occidentale là, pour nous dire t'as pris souple aider nous changer Haïti, t'as pris souple aider libérer Haïti, parce que haïtien capable vivre dans pays, haïtien besoin à vivre dans pays, haïtien doit vivre dans pays, sinon nous arrêter au moleur, Haïti disparaître, sinon et quel que soit côté de Haïti à travers le monde, mais ça va déboucher sur des situations et personnel non grata contre haïtien et ça capable déboucher c'est comme si on capable là de violation droits humains contre les haïtiens. D'ailleurs, Dominicain Pastis Manvel, Dominicain Pastis Mantouye nous, Dominicain Pastis Mantouye haïtien, malquette haïtien, pendant que moi en pile focus mettez sous propos racistes discriminatoires qu'a fait pas et Donald Trump et que petit garçon là qui c'est Donald Trump junior premier petit garçon Donald Trump monsieur fait qu'on est là je n'ai pas les sous médias et États-Unis monsieur fait qu'on est administration Biden non après qui ben mon pauvre équipement mauvais, j'ai mauvais affaire. On paye tiers monde, on paye misère qui est les Haïti et la prend moun sa yo, la vinn beauté ou la caille aux États-Unis. Ça veut dire eh ben yo pral pile moun sa la paix des beautés vinn aux États-Unis hein. Selon Donald Trump je fait qu'on est que eh ben moun sa yo tout pral vinn transformer États-Unis en pays pauvre, on paye tiers monde. Et il se fait qu'on est haïtien, immigrant haïtien, c'est na so qui pi pas intelligent. Elle dit yo pas intelligent, yo moins intelligent. Parce que tout peuple qui gen dans monde là, ou dit mais est-ce que parce que peuple qui même entré immigrant l'autre nation qui même entré aux États-Unis. Ah bah là, bataille dit là. Elle dit campagne ça qu'a fait la contre haïtien là-bas la mauvais. Bagarre la mauvais coup mauvais. Mais moi, je toujours besoin de ces bagailles. Ou capable de jamais d'accord avec. Et je ne vais pas me d'accord avec. Ouais, moi-même. Si l'État américain. Si l'État américain, à travers soit démocrate ou bien républicain, je t'ai décidé un bon lè. Je dis, bon, ok, mais ça va prendre comme mesi. Mais ça va prendre comme décision. De vous pas petit terre, ou pas petit sang, yo. Je vais mettre en condition pour me pimper au lac, ou quel que soit immigrant que lien, pas seulement ici, non? Est-ce que nous avons goumé contre ça? Est-ce que nous avons levé contre ça? Nous avons dit oui. Nous avons dit oui. Pendant que nous même tous, les immigrés, immigrants qui entrent aux États-Unis, pas seulement les Haïtiens, les ça,
yo pral mete yo en conformité avec la loi et puis yo défendre nou yo. Parce que ça me les moun yo comprendre. Ne pas vinn ba moun yo dicter dans pays yo. Ne pas vinn ba moun yo l'ordre dans pays yo. Mais États-Unis c'est nation qui fait, c'est des nations qui fait. C'est des peuples qui fait, c'est des immigrés qui fait, c'est des immigrants qui fait. Pas qu'il y ait débat sur ça. Pas qu'il y ait débat sur ça. Soit les origine passé en pile dans gros chef parce qui yo même qui t'es passé dans tête États-Unis comme président et soit président républicain, président démocrate, comme sénateur, comme député, ou regarder dans passé yo. Ou ouais que quand même yo un grand parent qui pas américain de type, c'est des gens qui étaient immigrés aux États-Unis.